Saturday. Drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Urgent suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy and sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth a thousand screams. Does that scare you? Experience on Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Vous assistez à un événement, regardez-moi ça. Slappy est en train de travailler sur un event Ghostbump. Il a pris son petit café. Là, vous voyez qu'il a son petit bureau de travail avec le masque hanté, une de ses plus belles, créations de monstres. Et là, vous voyez qu'il est en train de travailler sur un event Ghostbump. Et d'ailleurs, dans tous les events, il y a eu aussi celui-là qui venait du live on stage, créé par Slappy, bien sûr. Je vous mettrai la bande-annonce. Ça vous a plu? Vous avez aimé ce que vous avez vu? Le show, live on stage, aujourd'hui on va parler un petit peu de tous les objets qui ont été faits pour ce show. Donc tous les objets qui étaient disponibles à la vente. Donc il faut savoir que quand le show commençait ou était fini, il y avait une sorte de petite boutique à l'intérieur où on pouvait acheter quelques objets, quelques produits dérivés. Donc ces objets-là aujourd'hui sont extrêmement rares parce que le show n'a duré que quelques semaines et il était uniquement disponible au Royaume-Uni. Donc du coup ça fait que c'est un event où il y a eu une seule endroit où c'était mis en vente, et c'était dans un théâtre pendant que quelques semaines, dans les années 90. Donc aujourd'hui on va voir justement tous les objets qui viennent de ce show et qui sont aujourd'hui très très rares à voir. C'est parti. Donc le premier, ça va être un objet qui est un manuel, donc avec un poster, donc un manuel du show, donc un petit peu avec le récapitulatif de ce que l'on retrouvait dans le show, les différents personnages, l'histoire. Donc c'est vraiment un livre très très important et très très sympathique, avec justement un petit artwork, donc avec Slappy, avec le costume et la lampe. Donc c'est vraiment, je vous mettrai bien sûr une vidéo en boucle pour vous voyez un petit peu les deux objets.
Donc voilà, il y a eu déjà ces deux objets là. Ensuite, il y a eu donc je vais vous montrer un petit peu. Il y a eu pas mal d'objets. Il y a eu un objet que l'on peut trouver encore, qui est l'objet peut-être certainement le plus commun de cet univers. Ça va être le train, donc le train de Live on Stage, qui vaut quand même un petit peu de sous, mais c'est vraiment un train londonien avec à double étage, avec justement gravé sur le côté Live on Stage et le petit Slappy dessus. Donc on retrouve bien sûr sur cette photo pas mal d'objets. On voit les deux sacs plastiques qui étaient vendus. Donc sûrement quand on achetait des choses, on donnait un sac plastique avec la tête de Slappy en guise de remerciement. Donc c'est vraiment un truc très très rare. Il y a du coup la Slappy plush qui est plush, donc la peluche Slappy que j'ai, qui est en face de moi, qui est extrêmement rare aussi, qui est une peluche de Slappy qui a été fait justement pour le show, avec le petit tag où on va marquer Live on Stage dessus. Donc c'est vraiment c'est quand même une représentation qui se rapproche de celui des films, mais qui est très très sympathique, avec la bouche ouverte comme ça. Ça fait un petit peu une version différente de Slappy que j'adore. C'est une peluche donc que j'adore, qui est vraiment classe du coup, avec ses gants blancs, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très classe. On a du coup le livre qui est encore trouvable donc sur le Live on Stage Show. Donc ils ont fait un livre justement où, alors je ne sais pas si c'est une histoire ou alors c'est le résumé un petit peu de la pièce de théâtre en version livre, qu'ils ont justement adapté du livre. Mais voilà, on a le livre avec une sorte de serpent dessus. Donc il y a un livre quand même rare de ce que j'ai pu comprendre, mais qui est basé justement sur ce show là. Ensuite, on a la casquette avec les yeux que l'on peut voir. Donc ça, c'est une casquette aussi qui a été faite justement pour le show. C'est une casquette, je ne sais pas quel personnage exactement ça représente. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire dans le commentaire. On a la montre, donc avec du coup le Slappy dessus, et la montre du Live on Stage Show, qui est une montre très rare avec son emballage. Donc c'est vraiment une montre qui est très très sympathique et qui justement a été fait uniquement pour ce show. Donc c'est des objets qui restent très rares. Ensuite, on a un objet certainement que vous n'avez jamais vu. Donc je finirai cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester, je finirai par un objet que vous n'avez certainement jamais vu en photo du show, qui est un objet qui se fait sûrement pas dessiner à la vente, donc c'est pour ça que je l'ai jamais vu. Donc si vous aussi vous n'avez jamais vu, vous voulez voir un objet que vous n'avez jamais vu, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous le montre en dernier. Donc là on va parler d'autres objets. Donc il y a eu bien sûr comme je l'ai dit une casquette, mais il y a eu aussi un t-shirt, donc un t-shirt avec le Slappy qui pend comme ça, qui se tient comme ça sur le t-shirt. Donc il y a un t-shirt qui est très rare et qui est un t-shirt qui vient justement du show. On a ensuite une pancarte que Ozzy Fan a. Donc là c'est une photo de Ozzy Fan avec le personnage donc qui tient une pancarte, un post-it avec marqué entrez si vous l'osez. Et donc du coup c'est vraiment on retrouve toujours du coup le Slappy qui est en costume. Je trouve le costume très très beau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Et ce costume rouge, donc voilà, c'est un costume que je trouve très très sympathique, et que du coup c'est une pancarte en métal il me semble. Donc c'est vraiment quelque chose qui était justement peut-être pas destiné à la vente, qui était juste là, qui était accroché quelque part pour promouvoir le show. On a ensuite des petits stylos. Donc il y a eu différents petits stylos, des stylos classiques, donc un jaune, un vert. Il y a eu un stylo aussi qui parlait, donc je vous mettrai une vidéo du stylo qui parle. Donc quand on appuie dessus, ça fait un stylo qui parle, donc c'est vraiment très très sympathique. Donc voilà, il y a eu différents stylos qui ont été faits pour le show. Alors ceux-là étaient vendus, celui-là qui parlait était clairement vendu dans la boutique, les deux autres aussi. Donc c'était vraiment des objets qui étaient aussi très très sympathiques à obtenir. Donc
J'imagine vraiment, je me vois vraiment dans la boutique avec tous ces objets-là autour de moi. Ça pourrait être quand même beau, hein, d'avoir tout ça, de voir. J'achèterai une fronderie comme ça, tout comme ça. C'est à moi. Et du coup, on va finir par un autre objet sur cette photo. C'est un petit programme, donc avec toujours la même couverture qui est la couverture du coup du show. Avec, voilà, on marquait du coup Ghostbook Live on Stage dessus, qui était un petit peu un récapitulatif donc des lieux, du programme qu'il allait avoir, donc un petit peu de tout ça, des représentations. Donc voilà un petit peu pour ça. Et on va finir du coup par l'objet. L'objet que vous n'avez certainement jamais vu, qui est un objet que j'ai découvert justement par quelqu'un sur Reddit, qui est un médaillon en double face du Ghostbump Live on Stage, avec derrière, devant du coup marqué Ghostbump Live on Stage, et derrière avec le jet de Ghostbump. Donc c'est un petit peu comme ceux de l'armée, avec justement le médaillon métallique. Donc c'est un objet très très rare, très très sympathique. C'est vrai que je préfère d'autres objets à celui-là, mais celui-là est vraiment très très sympathique. Je l'avais jamais vu en photo, donc c'est vraiment un objet qui est rarissime. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire parmi tous les produits que je vous ai présentés du Live on Stage quel est votre préféré. Personnellement, c'est la Slappy Plush qui est ma préférée. Et donc du coup voilà, c'est vraiment des objets qui sont rarissimes, qui viennent d'un show. Et surtout, n'oubliez pas de garder. Alors, où en es-tu, Slappy? Je vois que ça avance. Tu as fini ton café. Tu as écrit quelques mots. J'espère que l'event sera bien. Tu vas devoir te mettre à fond dessus pour rendre la gloire à Ghostbump et à tout cet univers-là. Alors, si tu es prêt, Slappy, nous allons lancer l'event dans une prochaine vidéo. Je suis prêt. Explore a gripping Goosebumps adventure this way.